Salut à toutes et tous, ravi de vous accueillir en direct du Parc des Princes. En commentaire, c'est moi, Venatou, qui vais vibrer à vos exploits. Nous allons assister aujourd'hui à un match de groupe de l'UEFA Champions League. Le Paris Saint-Germain affronte le FC Barcelone. C'est dans ces phases de groupe que se dégagent déjà les favoris. Ceux qui feront la course en tête et qui pourront assez vite se projeter sur le reste de la compétition. Le coup d'envoi qui vient d'être donné dans ce premier match de groupe de la Ligue des Champions. Ouais, elle gagne son duel. Un ballon en cloche pour Neymar. Neymar. Messi. Messi. Oh, le ballon qui passe juste au-dessus. Quel dommage, c'était joué assez finement. Il s'infiltre, attention. Allez, le centre maintenant. Messi. Oh, en finesse. Pourquoi pas, c'est au-dessus, juste au-dessus. Ça vient presser sur Jordi Alba. Ouais, très très beau geste défensif. Oh, dommage cette faute, ça va donner un bon coup franc. Repoussé par le poteau et le but, l'ouverture du score. Excellente entrée en matière. Ah, c'est pas très bien joué de la part du gardien là, qui remet le ballon, il le capte pas bien, et derrière la sanction qui est immédiate. Et ça fait donc 1-0 au tableau d'affichage. Ballon qui est intercepté. Mbappé. Les Parisiens qui vont visiblement essayer quelque chose là. Intervention tranquille. Rien à craindre sur cette frappe lointaine. Ousmane Dembélé. Une bonne séquence de passes des Barcelonais. Elle n'est pas passée loin cette balle. On était tout proche de l'égalisation. Ça veut dire qu'il faut encore y croire. Hein. Verratti. Idriss Agueil. À la côté, on fait tourner. Et de l'autre, il faut bien le dire, on ne presse pas très fort. On a envie de créer le danger, bien sûr, côté parisien. Verratti. Messi. Wijnaldum. Un joueur qui touche beaucoup de ballons, qui multiplie les passes. Allez, peut-être l'occasion de placer une contre-attaque. Coutinho. Coutinho, et il était en position de hors-jeu.
passe qui sera finalement pour Jordi Alba qui a récupéré. Il donne par-dessus. Allez, le Barça, il y a peut-être quelque chose d'intéressant à faire sur ce ballon. Mbappé. Il s'agaye. Et Messi. Ouais, impossible de prendre le gardien à défaut à cette distance. Coutinho. Coutinho. Il la joue un petit peu comme au hand, hein. On fait tourner en attendant l'ouverture et de prendre la frappe. Oh oui, magnifique! Magnifique pas de Donnarumma. Neymar. Neymar. Léo Messi. Wijnaldum. Oh, la faute commise au mauvais endroit. Ah, c'était cadré, mais sans danger. La trajectoire a été bien lue. Peut-être un petit peu de mouvement là. Le latéral qui a mis son corps en opposition sur ce centre. Ah, le bon tacle, mais il n'arrive pas à conserver ce ballon. Ah oui, la bonne passe. Il gagne du terrain. Pas de problème pour le gardien. Verratti. On retiendra donc de cette première période qu'on a vu un but, 1-0 à la mi-temps. Il a fait une bonne première période, bon match pour l'instant. C'est lui qui donne l'avantage à son équipe, donc évidemment son apport est important dans cette partie. Et en seconde période, confiant comme il est, je le verrai bien être décisif. Le jeu qui a repris dans ce premier match de groupe de la Ligue des Champions. Marco Verratti. Gana maintenant. Wijnaldum. Wijnaldum s'agaye. Quatre Messi. Il cherche une ouverture dans cette défense. Le ballon qui circule bien pour l'instant. Messi. Oh Messi, oh quel but! Oh quelle frappe magnifique! Signé Léo Messi. Magnifique ralenti, hein, cette frappe, même au ralenti, elle va vite. C'est une mise incroyable. D'écart maintenant, 2-0. Sergio Busquets. Ousmane Dembélé. Le Paris Saint-Germain qui va avoir un coup franc à jouer. Lionel Messi. Wijnaldum. Et Messi. La bonne conduite de balle. Le contre qui est lancé. Messi. Ouais, l'arrêt du gardien qui ne relâche pas ce ballon. Et 30 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Messi. Ouais, la bonne parade du gardien qui conserve bien ce ballon dans les bras. Il y a Sagaï qui intercepte cette passe.
Messi, Messi. Oh, dommage. C'était finement joué. C'est pas ce qu'il me semblait, hein, la position du ballon. Eh bien, du côté de l'équipe locale, et si la victoire se profile pour cette équipe, c'est parce qu'elle a trouvé la solution pour déstabiliser la défense adverse. Ousmane Dembélé, Depay, les Blaugrana qui ont le ballon. Un centre à destination de ses partenaires. Jordi Alba. Ouais, le bel arrêt magnifique à bout portant. Super réflexe. Coutinho pour un partenaire dans la surface. Oh, la mauvaise relance. Au programme de l'UEFA Champions League avec cette rencontre, le Barça accueillera le RB Leipzig à domicile. Typiquement le genre de rencontre qu'on aime suivre. Il devrait y avoir tous les ingrédients qu'on aime. Messi qui repique au centre. Sans problème. Sans problème aucun pour le gardien. Ah, on a envie de créer le danger, bien sûr, côté parisien. Oui, la bonne occasion. Attention, la frappe. Ouais, la belle frappe, mais qui manquait d'un petit peu de précision. Attention, le bon pressing. Un petit coup d'œil au chronomètre qui nous indique qu'il ne reste que 10 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Ouais, lumineux cette passe. Oh, quel arrêt! Oh, quel arrêt! Un plongeon exceptionnel! Attention, le corner frappé par Dembélé. Allez, voyons ce qu'il peut faire. Voyons ce qu'il peut faire d'intéressant. Il essaye de gêner Messi. Voilà, c'est chaud avec Messi. Ça peut donner quelque chose, ça. Oh, quelle détente! Oh, il est allé la chercher très loin, celle-là. Allez, petite combinaison sur ce corner. La frappe de Léo Messi. Oh, le ballon qui passe juste au-dessus. Quel dommage, c'était joué assez finement. Jordi Alba. Philippe Coutinho. Coutinho qui a un bon espace devant lui. Au centre de Coutinho. Un mauvais dégagement là, attention. Verratti. Messi. Attention, attention à Léo Messi. Ah oui, c'est dedans! On revoit ce raid solitaire. Le ballon qui lui colle au pied. Les appuis sont excellents. C'est vrai que la défense peut paraître un peu passive, mais il n'y a rien à faire hein, face à ce talent. De Ligue des Champions qui s'achève. Les premières victoires pour le Paris Saint-Germain, ça ne pouvait pas mieux débuter. Ah, c'est le scénario parfait. Prendre un bon départ, c'est important. Une victoire pour commencer, ça permet d'aborder la suite avec sérénité. On a tout de suite senti qu'il pouvait réaliser un grand match et ça a été le cas, vraiment. Hein. Il est pour beaucoup dans cette victoire. Il a fait un très très bon match. Il a été efficace avec ce doublé. Franchement, mission accomplie. L'un des grands acteurs de cette victoire.